Montre électrique, un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre, fr.wikipédia.org. La montre à mouvement électrique est une technologie d'horlogerie qui a été populaire avant l'arrivée de la montre à quartz. Dans une montre électrique, la mesure du temps reste mécanique, basée sur un balancier ou un diapason. Néanmoins, la source d'énergie n'est plus un ressort moteur, elle est électrique. Des montres électriques furent commercialisées avec succès pendant un peu plus d'une décennie, de la fin des années 1950 au début des années 1970. Des industriels les plus appliqués dans cette technologie sont Hamilton aux États-Unis, Bulova aux États-Unis également, Leap en France et Bochetsa en Suisse notamment. Les montres électriques ont amené à améliorer la technologie des piles et à miniaturiser les composants, bobines et contacts. Cependant, cette filière disparaît assez brusquement avec l'irruption des modèles à quartz. Il ne faut pas confondre cette technologie avec celle d'une horloge électrique, où la mesure du temps est réalisée à partir de la fréquence du réseau électrique et qui ne comporte donc aucun organe régulateur tel qu'un balancier ou un quartz. Section 1, origine. Dès le 19e siècle, des horlogers tentent d'intégrer l'énergie électrique à leur création. La première horloge à balancier électrique est créée en 1840 par l'inventeur écossais Alexander Baine. L'horloge de Short, présentée en 1921, utilise un balancier totalement libre, non relié à un mécanisme et sous vide, dont l'entretien et la lecture sont électromécaniques. C'est le moyen de mesure du temps le plus précis pendant une vingtaine d'années, qui permet notamment de mesurer pour la première fois les variations de vitesse de rotation de la Terre. En 1934, les entreprises Leap et Ericsson s'associent pour commercialiser une pendulette de bureau dont l'échappement mécanique est entretenu par un moteur électrique. Les recherches visant à mettre au point une montre bracelet électrique commencent juste après la Seconde Guerre mondiale chez Elgin aux États-Unis et chez Leap en France, les deux entreprises coopérant pendant un temps sur le sujet. Elles impliquent une miniaturisation des éléments électriques, ainsi que le développement de nouvelles piles électriques capables de délivrer un courant très faible pendant plusieurs années. Une coopération avec l'industriel Leclanché est engagée concernant les piles. Section 2, montres électriques à balancier moteur. Les montres électriques à balancier moteur, dont plusieurs variantes ont existé, conservent un organe régulateur similaire à celui d'une montre classique. Un balancier attaché à un ressort spirale oscillant à une fréquence de l'ordre de 5 Hz et dont le réglage s'effectue en modifiant la course du ressort spirale par le truchement d'une raquette. L'innovation réside dans l'entretien du mouvement du balancier par un électroaimant. Dans un mouvement mécanique classique, le balancier est régulateur. Il limite le mouvement de la roue d'échappement. Dans un mouvement électrique, il est aussi moteur, entraînant tout le reste du mécanisme. Il existe deux catégories de mécanismes de ce type, ceux à bobine fixe et ceux à bobine mobile. 2.1 à bobine mobile. Hamilton commercialise en 1957 des montres équipées du calibre Hamilton 500, calibre électrique à bobine mobile. L'électroaimant est solidaire du balancier. Deux fils fixés à la platine viennent établir le contact sur des broches fixées au balancier, ce qui établit brièvement un courant dans la bobine, créant une attraction entre celle-ci et un aimant permanent fixé à la bobine qui entretient le mouvement. Outre Hamilton, des mouvements de ce type sont produits par les entreprises Timex et Eperline. En URSS, Slava produit une copie du mouvement Hamilton sous le nom Slava 114XN. Timex, entreprise américaine, est alors le spécialiste des montres bon marché, produisant des mouvements très rustiques, n'utilisant aucun rubis avec un échappement Roscoff. À cette époque, c'est le plus gros producteur de montres au monde. La gamme de mouvements électriques développée par Timex, si elle utilise le même principe que le mouvement Hamilton, suit une logique de construction bon marché. Sa production est d'ailleurs assez vite délocalisée à Taïwan. 2.2 à bobine fixe. La variante à bobine fixe est commercialisée en 1958 par Leap avec le calibre R27. L'une des premières montres équipées de ce mouvement est offerte au général de Gaulle. Le schéma ci-contre présente les deux étapes de fonctionnement du balancier du mouvement R27. Dans la première partie, le circuit électrique est ouvert et le balancier suit son mouvement, entraîné par le ressort spirale non représenté. Dans le dessin de droite, pour une certaine position du balancier, la plaquette solidaire du balancier a déformé le fil de contact, fermant le circuit. Les deux bobines agissent alors comme des électroaimants. L'ensemble formé par le cœur magnétique et le balancier forme un circuit magnétique et un couple est exercé sur le balancier.
car il tend à se placer horizontalement pour maximiser le flux magnétique. Une diode permet d'éviter une décharge trop violente lorsque le circuit se rouvre, l'inductance créant alors une surtension. Le R27 a une consommation électrique élevée au point de nécessiter deux piles, ce qui donne une forme inhabituelle au boîtier. Mais dès 1960, apparaît un mouvement amélioré, le LiP R148, qui ne nécessite plus qu'une pile et tient ainsi dans le format de 11 lignes et demie, soit un diamètre de 25,6 mm. Il y a aussi une version avec datteur, le R184. Ces mouvements sont installés dans une grande variété de montres chez LiP. Une montre en or Marie Curie, hommage à la scientifique qui, un demi-siècle plus tôt, avait coopéré avec la manufacture française pour y introduire les peintures luminescentes au radium. Les versions de la montre plongée Nautic Ski, des montres à cadran transparent laissant voir le mouvement, et ainsi de suite. Le premier mouvement électrique suisse est commercialisé en 1961, Hamilton étant encore à cette époque une entreprise américaine. C'est le Landron 4750 de Ebauche SA. Si le principe de fonctionnement est le même, le mouvement est assez différent de ceux de LiP. Le solénoïde est quasiment circulaire et le balancier possède une croix en matériaux ferreux et non un simple barreau. Ces mouvements sont utilisés par de nombreuses marques suisses. Dans certains cas, une batterie rechargeable est utilisée en remplacement d'une pile. Citizen, au Japon, se lance à son tour dans cette technologie en 1968 avec la Citizen X8. Ce modèle est surtout connu pour avoir reçu quelques années plus tard un boîtier en titane, ce qui était une première dans l'industrie. 2.3, transistorisation. Les mouvements de première génération, qu'ils soient à bobine fixe ou mobile, présentent une faiblesse majeure. Une étincelle se fait à l'extrémité du fil de contact à chaque alternance du balancier. La durée de vie de ce dispositif est faible et sa consommation électrique est assez élevée. La génération suivante de mouvements à bobine fixe améliore considérablement ces aspects en supprimant le contact mécanique. Le balancier porte un petit aimant qui, en passant devant des bobines, crée un très faible courant. Ce courant est amplifié par un transistor qui délivre le courant dans les bobines. Le transistor est encore un composant d'invention récente à l'époque. La première application grand public, un récepteur radio portable, date de 1954. Des mouvements de ce type sont produits par LiP, Seiko, Citizen et Ebauche SA. Chez LiP, cette technologie est mise en œuvre sur le calibre R50, un petit mouvement destiné aux montres d'âme. Ce mouvement bat 6 alternances par seconde, contre 5 sur les R27, R148 et R184, et possède 14 rubis. Plusieurs versions sont disponibles avec ou sans trotteuse et indication des quantièmes. Présenté en 1970, ce mouvement connaît un bref succès et fut fourni à d'autres marques de montres, notamment Waltham aux États-Unis. Ebauche SA, ayant investi dans le capital de LiP, vend le mouvement de son côté sous la référence 91-90. Citizen, de son côté, modifie le mouvement X8 pour adopter le transistor. Section 3, montre électrique à diapason. La Bulova Accutron, contraction de Accuracy et Electronic, utilise une technologie très différente. Son inventeur est l'ingénieur Max Herzl, employé de la division suisse de l'entreprise américaine Bulova. En 1952, sa direction lui demande son opinion sur les montres électriques à balancier que LiP, notamment, est en train de développer. Il estime que, leur organe régulateur restant à peu près identique à celui d'une montre classique, elle n'apporte pas de gains considérables en matière de précision. À l'époque, la précision reste l'argument de vente principal des entreprises d'horlogerie qui s'affrontent annuellement dans des concours de chronométrie organisés dans les conservatoires, dans les observatoires, le mouvement des étoiles servant de référence. L'organe régulateur et moteur que Max Herzl conçoit en réponse n'est pas un balancier, mais un petit diapason d'une longueur de 3 mm dont la fréquence est fixée à 360 Hz. Le mouvement du diapason est entretenu par deux électroaimants qui créent une force sur les aimants permanents situés au bout des branches du diapason. Un petit cliquet solidaire du diapason vient, à chaque vibration de celui-ci, faire avancer d'une dent la roue d'échappement. Celle-ci comporte 300 dents, elle effectue donc 1,2 rotations complètes par seconde. C'était pour l'époque un mécanisme à très haute fréquence, remarquable dans l'histoire de la microélectronique et l'un des premiers micro-actuateurs électromagnétiques produits en masse. Le facteur de qualité de cet oscillateur est de l'ordre de 3000, 10 fois meilleur que celui d'un balancier. C'est la clé de la précision améliorée de ces mouvements. La dérive quotidienne de ce mouvement est de seulement quelques secondes. Dans les années 1960, Bulova coopère avec la NASA dans le cadre du programme Apollo.
Si les montres que les astronautes ont au poignet sont des oméga, le mouvement à diapason de l'acultron est utilisé comme source de mesure du temps dans différents instruments de bord à bord du module lunaire. Ebochessa commercialise en 1969 un mouvement fonctionnant sur le même principe, ayant acheté la licence des brevets à Bulova, avec un diapason à 300 Hz, le 9162, dont est dérivée une version chronographe, le 9210. Plusieurs marques suisses font usage de ces mouvements, notamment Eterna, Longines, Omega et Tissot. Bulova vendra aussi la licence de sa technologie à Universal Genève et Citizen. Un mouvement à diapason plus évolué est mis sur le marché par Omega en 1972. La Omega 1220 Megasonic a elle aussi été mise au point par Max Zetzel, débauché entre-temps. La fréquence est doublée à 720 Hz. De plus, le contact mécanique avec la roue d'échappement est supprimé. Un petit système à base d'aimant assure l'entraînement par le diapason sans contact et donc sans usure mécanique. Les montres à diapason présentent deux caractéristiques très reconnaissables. L'une est le mouvement de l'aiguille des secondes qui est visuellement parfaitement continu. Au lieu d'avancer par fraction de seconde selon la fréquence du balancier sur les montres purement mécaniques, l'autre caractéristique est leur son. Au lieu du tic-tac usuel d'un échappement mécanique, elles émettent un bourdonnement sourd, perceptible en collant la montre sur l'oreille. Le slogan The Watch That Hums, la montre qui bourdonne, est d'ailleurs utilisé dans la commercialisation de la Bulova Accutron aux États-Unis. Section 4, un succès éphémère. Bien que perçues à leur succès comme très novatrices, les montres électriques n'ont connu qu'un bref succès. Avant même la Seconde Guerre mondiale, l'utilisation d'un cristal de quartz comme oscillateur piézoélectrique offrant une référence extrêmement précise pour une mesure de temps commence à être explorée en laboratoire. Au Japon, Seiko crée en 1959 une équipe de recherche pour développer cette technologie et un chronographe portatif à quartz est mis au point juste à temps pour être utilisé pendant les Jeux olympiques d'été de 1964 à Tokyo. En 1969, Seiko commercialise la première montre bracelet à quartz, la Seiko Astron, avec une légère avance sur les nombreux concurrents qui travaillent sur cette technologie. Elle marque un saut à la fois en termes de précision et de réduction des coûts, rendant les mouvements électriques obsolètes et bouleversant toute l'industrie. Ainsi, Leap présente son prototype de montre à quartz, nommé Hexacron en 1972, et abandonne tout développement sur les montres électromécaniques, qui disparaissent graduellement du catalogue pendant les années suivantes. Il en va de même chez tous les concurrents. Article connexe. Spring Drive, mouvement Seiko qui réalise l'hybridation inverse en combinant un organe régulateur à quartz et une source d'énergie mécanique. Crise du quartz, Leap, Hamilton.